je vous raconte cette histoire, on approche la fin d'une décennie, bientôt le début d'une nouvelle. Comme tout grand changement, il y a cette petite appréhension sur demain. Tes choix sont comme des coups de poker. Quand tu décides mal, tu voudrais avoir un joker. On a tous envie de réussir ce qu'on entreprend, avancer sereinement. Parfois on échoue, souvent on y arrive. Et l'amitié dans tout ça, elle permet de ne pas se décourager, de ne pas échouer, et même parfois, de te porter. On essaye d'être sur la même longueur d'onde, aller dans la même direction. Le constat est là. Chacun fait son chemin, en essayant de préserver ce lien qui est en nous depuis tout ce temps. Certains ont désormais leur propre cocon. Certains vadrouillent dans la France pour vivre de leur passion. D'autres pensent déjà au prochain tour. Certains sont moins présents, par manque de temps. D'autres sont loin, mais sont toujours présents, au grand moment. C'est comme un virage, une course contre le temps. Il y a 10 ans, nous étions au lycée. Aujourd'hui, c'est comme une odyssée. Le présent te fait prendre conscience que tu es devenu grand. Parfois perdu, tu as envie de rester enfant. On te dit, tu es jeune, tu as le temps. Sauf que la vérité, c'est que tu es moins jeune et ça se ressent. On te dit, mec, tu as bientôt 30 ans, tu devrais avoir des enfants. Calme. Dans ce groupe, on est assez patient. Les aléas de la vie font que d'être complet est devenu une organisation. De moins en moins facile d'écrire le feuilleton. Alors tu provoques les croisades à Caen, Paris, Rennes, Montpellier, Lille, Le Mans, Nantes, Bordeaux. Tu provoques les voyages. À la découverte, tu pars à l'assaut. Le mythe de la grosse pomme, la colline des dieux de l'Olympe, l'Amérique du Sud ou le Nigeria. Le travail, la distance nous donnent moins la possibilité de se créer des souvenirs. Alors on se bat deux fois plus pour en vivre. Chaque instant n'est que plus rare. Chaque instant n'est que plus beau. Chaque instant n'est que plus grand. En une année, tu as des moments de défonce, de surprise, de fou rire, d'espoir, mais aussi de magnifiques annonces. L'éclosion de la prochaine génération à son départ. Le futur imaginé devient concret. Tu te lances dans de grands projets. Pas à pas, le grand puzzle de la vie se construit. Même si à titre personnel, ça va au ralenti, cette histoire commune ne cesse d'avancer. Un empire qui ne cesse de se façonner. Merci 2019 et les années 2010. Tu nous as vus devenir des adultes accomplis. Et malgré toutes nos conneries, on a su de faire de cette belle Normandie le berceau de tous nos défis. Les connaissances devenues potes, les potes devenus amis, les amis devenus famille.